Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui ensemble pour tester un nouveau mode sur Assetto Corsa. C'est la mode en ce moment. C'est parti. Et au programme du jour, la nouvelle rébellion RB13, la LMP1 qui est disponible sur Race Department totalement gratuitement. Et nous sommes sur le circuit de Bahreïn avec un petit peu de brouillard en fin de journée pour voir un petit peu ce que va donner cette voiture modée par rapport au modèle LMP1 proposé par Kounos. Allez, on sort du premier virage. On essaie de ne pas prendre trop de place. On ne fait pas une Mazepine, c'est le plus important. Et on va essayer de tirer profit de cette superbe voiture. Alors, j'utilise le tracé de Bahreïn en version Grand Prix. Alors, attention, hein, on va faire un petit peu du Vatanen avec le soleil qui rase l'horizon. Alors, attention, ça sort large pour les deux Audi. Les Porsche essaient d'en profiter. Et alors, tout l'intérêt de cette vidéo, il tient sur une particularité technique, c'est que si je veux régler la voiture, vous allez voir que si je veux régler le MGUH et le MGUK en delivery ou en recovery, j'y ai pas accès. Parce qu'en fait, c'est la seule LMP1 qui n'avait pas de système d'hybridation. Les pilotes ont assez râlé d'ailleurs de l'inégalité du championnat par rapport aux autres voitures de la catégorie, notamment une certaine Toyota qui, vous le voyez en sortie de virage, me met bien à l'amende. Alors, au niveau des Porsche qui sont en piste, oh la vache, ça freine tôt. Au niveau des Porsche qui sont en piste, on est sur les Porsche de 2016, la plus évoluée des 919 hybrides. Pour le reste, eh bien, on a les Toyota, les Audi qui sont également là. C'est compliqué de s'en sortir pour l'instant. Il y a des voitures un petit peu partout. On n'a pas trop touché, il faut aller bien loin dans les LED. Une fois qu'on est dans les tours et que ça commence à clignoter, on peut passer à la vitesse supérieure. Oh la vache, la Toyota à l'intérieur qui n'a pas le temps. Premier tour couvert. Il y aura 8 tours de course hein, sur cette vidéo. Et donc, je voulais vous parler de la voiture, vous parler un petit peu du mode. Et surtout, s'amuser en pilotant ce genre de bolide. Parce que là, on ne peut compter que sur l'aspiration et sur d'éventuels appels de phare. Freine très très tard dans le premier virage. Est-ce que ça va suffire? On n'est pas touché et on passe l'Audi R18. Alors globalement c'est un mode qui est plutôt réussi. J'apprécie beaucoup le feeling de la voiture qui est beaucoup plus agile que ce que peuvent proposer certaines LMP1. Attention maintenant, après avoir imité Mazepin, on essaie d'imiter Hamilton. Drapeau jaune. Ouais, dans la descente ici, les IA ont un peu de mal. Bon, je vais essayer de voir si je peux avoir la Porsche. À l'extérieur, c'est grosse bagarre. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Donc, la voiture est au niveau. Elle parvient à se battre avec les LMP1 du jeu. Je vois qu'elles ont l'air de fonctionner dans un rythme similaire. Allez, un petit peu de sous-virage quand même. Bon, au niveau du setup, j'ai essayé de baisser un peu l'aéro. Vous pouvez régler beaucoup de choses sur la voiture. L'étalonnage de la boîte. Bon, pas de gestion d'hybridation, mais ça, c'est tout à fait logique. La voiture peut être réglée avec ses pneus Michelin. Il y a des pneus tendres et des pneus durs. Rien d'exceptionnel dans le mode. Il est très bien fait. Visuellement, je trouve que la voiture est très jolie, notamment au niveau des textures. J'avoue que là, c'est chaud à piloter sans Z. Vouloir essayer d'aller chercher. Regarde ce qu'elle me met ! C'est un scandale ! La vitesse de ces bagnoles en ligne droite, c'est impressionnant. C'est là que tu te dis que tes pilotes rébellion à l'époque, tu pètes un peu un câble. Hein. T'es Vaxivière ou t'es l'auteur, tu te dis mais comment on peut se battre avec ces voitures-là? Et dites-vous que là, on n'est pas troisième de la course. Hein. On est huitième, il y a encore des voitures plus rapides devant. Hein. Donc on essaie de suivre le rythme. Mais globalement, au départ, je ne sais pas qui est devant, mais ça va très très vite. Alors, aucune aspiration là, donc on va rester un petit peu à l'affût. En tout cas, ça doit être beau à voir, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et donc, le skin alpine sera mis aussi dans la description parce qu'à la base, vous avez une série de 6 décorations qui reprend un petit peu les couleurs des rébellions lors des deux saisons où elles ont roulé en LMP1. On a bien évidemment un moteur Cosworth parce que en passant de la catégorie LMP2 à la catégorie LMP1, la capacité, l'espace que peut prendre le moteur est le même. Donc, Rébellion est resté chez Cosworth. Alors ça, merci beaucoup. Thank you very much. Et on passe... Là, ça m'apprendra à faire le malin. Non, ça va. L'Audi n'est pas tout de suite derrière. J'aimerais bien aller chercher la Porsche, mais elle est très très bonne en relance, en sortie de virage. On est bon, nous par contre, en balance de frein. Et donc voilà, si je veux gérer
l'hybridation, le MGUK, que ce soit en recovery ou en delivery, j'ai absolument aucun setup de possible. Je peux rien y faire, je peux gérer simplement l'ABS et le mélange moteur. Enfin, la base, je suis retombé en deux, c'est peut-être excessif. C'est vrai qu'en en relance, parfois j'ai vraiment l'impression d'être au-dessus de la Porsche, et parfois pas du tout. C'est vrai que c'est vraiment dans les grandes lignes droites où elle met son ERS. Ouais, là je me fais vraiment larguer de quelques kilomètres heure, c'est impressionnant. Donc globalement, je le disais, la voiture est complète, c'est beau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ouais, c'est d'avoir cette Porsche, il y a moyen, je crois, dans les parties sinueuses. Non mais là, l'écart en ligne droite, il est exceptionnel, je sais pas comment les pilotes ont pas pété un câble. Mais la voiture se conduit très bien, elle est très incisive. Et c'est la version High Downforce, donc celle qui est faite avec beaucoup d'appui. Donc voilà peut-être aussi pourquoi les protos du jeu sont un peu plus véloces. C'est que là, je suis sur une configuration plus adaptée aux circuits lents, sinueux, qui ont besoin d'appui dans des enchaînements rapides ou lents. Et c'est pas forcément le cas. Encore un drapeau jaune ici. Non, c'est pas juste parce qu'on est trop lent. En tout cas, dans les secteurs sinueux avec mon aéro, je devance bien les Porsche qui ont l'air d'avoir du mal d'aller dans les enchaînements, et là je reviens. Donc vraiment la voiture est bien faite en setup, parce qu'au niveau downforce, c'est vraiment le deuxième secteur où je mets vraiment les Porsche en difficulté. En tout cas, je m'en rapproche, je me fais plus larguer, on va voir ça comme ça. Oh, petit bump, c'est de bonne guerre. Regardez, à la réaccélération, même en tirant un peu plus sur les tours, je peux rien faire. Donc faut vraiment que je parvienne à essayer de passer dans le premier secteur où c'est vraiment plus sinueux, et pas la faire décrocher, parce que je sens que parfois je suis quand même à la limite du grip. Regardez là, dans les relances, dans la remontée. Oh, je vais sous-virer. Non, ça va, on se touche. Oh, c'est chaud, c'est tellement chaud. Oh, c'est bonne bagarre, ça c'est sympa. Et on est bien mieux aussi sur les freins, forcément, avec l'aéro qu'on se paye. Alors qu'il y a des pilotes qui abandonnent. Il y a quelques GTE qui tournent aussi dans le peloton. Il y a 12 P1 qui sont en piste. Là, on est un peu perdu. Il n'y a plus que nous et la Porsche. C'est duel dans le brouillard. Alors pour l'heure, il est 18h. Je pensais que le soleil allait être un peu plus embêtant, mais non. Le brouillard y est sans doute pour quelque chose. Il faut vraiment que j'arrive à la passer dans le deuxième partiel si je veux essayer de rester devant en ligne droite. Non, ici c'est vraiment là où il y a les enchaînements, où je peux faire la différence, notamment ici. Oui, il va repasser, c'est beau, c'est chaud, il y a moyen, surtout s'il va freiner avec deux roues dans l'herbe. Ah, c'est fun, en plus avec le volant que j'ai, ça fait très très bien le taf. Il manque un peu de puissance quand même. J'aurais peut-être dû être un peu plus généreux en richesse moteur. Mais là, par contre, à la relance, je peux aller le chercher. Je peux même le pousser. C'est incroyable. C'est incroyable la régénération de l'énergie à l'accélération, au point, vous voyez, que je freine vraiment mieux que lui, quoi. Même à la spi, je peux rien faire, c'est aberrant. En tout cas, c'est un beau duel. On a un peu réaligné la lame à l'avant de la voiture, je suis assez conciliant, mais et on entend qu'on est à la limite du grip aussi. Mais ça passe bien, très très fun cette différence de setup. Alors je sais pas ce qu'il y a comme voiture en tête, mais c'est incroyable. Ça doit être vraiment impressionnant en termes de Vmax. Et ici en 3 ça passe, et chaque fois ici il se loupe. Et nous on est mieux.
Je me dis qu'en première, je peux mieux relancer, mais on n'est pas encore là. Et on va voir les premières GT3 qui vont venir se mettre devant nous. En tout cas, une Audi qui est très très lente. On va peut-être le gêner. On a peut-être un coup à jouer. Oui, oui, oui. Allez. Oh, c'est chaud. On a fait une zone tas. Oh merde, je me loupe. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool, ça. Ah, dommage. Ah, c'était beau. Super bagarre. Ah, désolé, hein, je vous ai présenté le mode. J'aurais su, j'aurais mis 3 tours de moins pour juste vous parler du mode, mais là... Il y a encore une voiture d'une catégorie inférieure qui est au bout, là. Il reste quoi, 2 tours? Ça va être compliqué, quand même. Hein. À moins que la voiture retardataire nous fasse récupérer un peu d'avance. Ouais, c'est le cas. Dire que c'est une Audi qui gêne une Porsche, qu'elle comble. Ah oui, d'ailleurs, je le vois en pilotant, mais... Ouh, non, on n'a pas fait de Mazépine. On n'a pas fait de Mazépine. J'y pense en pilotant, mais c'est vrai que la voiture est fournie avec quand même les gants et la tenue alpine. Ça, c'est plutôt cool. Alors, par contre... Hop là, on passe. L'Audi qui a pas vraiment gêné la Porsche. Là, par contre, on peut revenir. Hein. C'est vraiment l'enchaînement où on est le mieux. Et on va avoir toutes les retardataires devant. Il n'est pas fini, ce duel. Je vais l'avoir. On va l'avoir. Il y a du GTE, il y a du GT3 aussi, il y a du GT2. Oh là là, oui, là, le trafic, il va jouer un gros, gros rôle. Ah là 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 là. Ah, il y a une Lamborghini GT3 qui est un petit peu dans le chemin. Ouf. Ah, c'est close racing, hein, comme dirait l'autre. Oui, t'hésites, pas moi. Oh, la Ferrari, on est à 3 de front. Oh là 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 là, il veut rien lâcher. Celle-là nous gênera pas. Il y a du trafic, il y a beaucoup de trafic devant pour le dernier tour, ça va être magistral. À deux doigts de faire une saison de WEC là. Oh, il y a de la Porsche, il y a de l'Audi, il y a de la Corvette. Il va être un peu gêné, il est un peu gêné. On prend l'aspi qu'on peut prendre, on va être plus vite que lui pour la première fois. À l'intérieur, est-ce que ça peut passer? Oh, les retardataires qui vont peut-être nous offrir la place qu'on cherche à avoir depuis tout à l'heure. Oh, la Porsche! Oh, la Porsche, il doit être à l'extérieur, on est en train de les prendre en sandwich, c'est magnifique! Oh, il est toujours là, il veut pas lâcher! Exceptionnel! Oh, c'est trop bien! Ah, ça fait longtemps que j'avais plus roulé avec des LMP1 à Spa. Avec les 6 heures qui arrivent, je me referai bien une séance là. Je vous avoue que si c'est aussi fun qu'ici avec les sous-catégories. Alors maintenant là, il faut qu'on gère un petit peu. On est devant, hein. On va être 6ème, on va pas gagner, mais pour ce final lap, ça peut être assez sympa. Voilà, par contre, on va être bloqué par la Corvette. Faut pas le laisser passer lui. Lui, il va être un peu gêné aussi par la Corvette. Non, pas tant que ça. Regardez l'hybridation, je peux rien faire! Oh là 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 là. Ah, ça va être beau. Jusqu'à la ligne. Oh, la Porsche peut nous aspirer un peu. En vrai, c'est pas impossible qu'on le garde. Hein. Il est loin. Hein. Il est vachement loin. Ouais, c'est bon. C'est bon, on va l'avoir. Magnifique. Bah écoutez, extrêmement belle bagarre avec la Porsche. Dans le trafic, qui a bien joué son rôle. Ouais, c'est bien la preuve que c'est pas toujours le plus rapide qui gagne. Bah écoutez, moi je suis plutôt content de cette situation. Et ben voilà, on va en terminer. Drapeau à damier, on a fini 6ème de cette course. Vraiment très très fun. Vraiment très sympa. En tout cas, le fait de retrouver une LMP1 avec le trafic, c'est vraiment cool. Je vous invite à vous aussi tester. Je me suis un peu laissé prendre par la course, mais j'espère que vous aussi. Je vais essayer de voir avec le montage si je peux faire des caméras sympas. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la présentation de cette rébellion LMP1.
Vous avez toutes les statistiques en insert au niveau du poids, etc. Le skin, la voiture et le circuit sont dispo dans la description. Il n'y a plus qu'à pour jouer vous aussi avec ce combo qui est vraiment sympa pour le coup. Merci à tous de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite aussi à laisser un commentaire si jamais la vidéo vous a plu. Et si vous avez des suggestions de mode, je suis tout aussi preneur, que ce soit sur R-Factor 2 ou sur Assetto Corsa. En tout cas, très bon point pour cette rébellion. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut les amis!